Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super bien. Donc je suis vraiment content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mission Parfaite. Donc le premier épisode vous a vraiment plu, j'ai eu plein de retours positifs dans les commentaires, surtout sur PSN. Vraiment merci à vous de me dire que ce que je fais ça vous plaît, de dire ce que vous pensez de mes vidéos actuellement. Tous les commentaires de toute façon sont bons à prendre, donc ça fait vraiment plaisir. Donc je vais vous faire une petite description assez rapide de la vidéo. Donc c'était en rentrant du boulot. Je suis rentré du boulot, j'ai pris ma douche, je me suis mis sur la plaie. Première partie de la journée. Il était vers 19h, je crois, un truc comme ça, donc ça a pas d'importance. Donc j'étais en compagnie de d'Ethno 44. Ethno 44, Arcobas, Zabor et Snipe Tueur, si je ne me trompe pas. Donc franchement c'était une portion sympa, on se prenait pas la tête. Bon, on était sur Dome. C'est vrai que Dome c'est pas ma map préférée, c'est même l'une de mes maps que je préfère le moins, parce que les spawns sont vraiment assez particuliers des fois, par moment. Ça arrive souvent que quand t'es sur C, il y en a un qui spawn devant toi et qui même d'un ou deux ou trois même, et qui viennent te tuer comme ça, donc c'est un petit peu rageant par moment, mais bon, c'est Dome quoi. Donc j'essaie de les éviter, et puis on est tombé dessus, malheureusement, parce que je l'aime pas, mais heureusement, parce que j'ai fait un bon score, donc j'étais plutôt satisfait de la partie. Donc je joue en spécialiste, comme dans mes habitudes, je joue pratiquement qu'à ça, c'est rare que je joue en assaut ou en soutien, grand max une fois dans la semaine, c'est vraiment grand max. Donc je joue en spécialiste, accompagné de mon AK-47, grande cap silencieux. Ça me convient totalement, je pense que 24 silencieux sur l'AK-47 c'est vraiment très bien. Donc en arme secondaire j'avais la MP9 silencieux, normal, et en atout sur moi j'avais en principal, par défaut j'avais, que je dise pas de bêtises, conditions extrêmes, détermination et tracker. Et en atout spécialiste j'avais assassin, tireur d'élite et pillard, comme vous pouvez le voir en bas à droite de votre écran, tout simplement. Et en série de mort j'avais dernière bataille comme d'habitude, mais enfin j'aurais pas dans cette partie parce que ça aurait été un peu compliqué. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire plus ou tout au moins autant que le premier épisode, qui vous a vraiment plu d'après tous les retours que j'ai eu. C'est vraiment plaisir. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, je sais pas comment je suis en bonne série, mais... Ça va faire 3 minutes que la partie allait commencer, donc je suis bien parti pour le moment. Enfin bref, sinon qu'est-ce que je voulais dire, que prochainement je devrais faire une vidéo sur GTA 4, donc ça changera un peu de quelle heure, parce que du quel ça peut vous lasser. Donc je serai en compagnie de Victor Maillot. Sûrement mes abonnés ne peuvent peut-être pas connaître. Donc je vais vous mettre le lien de sa chaîne en haut à droite juste maintenant. Hop, voilà, cliquez pour aller voir sa chaîne. Voilà. Et allez vous abonner. Franchement c'est un gars, il est vraiment super sympa. J'aime bien son humour. Franchement. On rigole bien ensemble, il est vraiment super sympa. Et donc bientôt on va faire une vidéo sur GTA 4. J'espère que ça va vous plaire. On va essayer de se donner un petit peu pour la vidéo. Si on a un peu de temps ensemble, j'espère que ça va vous plaire. De changer un peu de Call of tout simplement, parce que c'est vraiment lassant. Enfin bref, là j'étais en bonne série. Je commençais à être prudent parce que j'étais en série de 22 il me semble, c'est un truc comme ça. Donc j'ai pas eu le temps de voir, mais je devais être à 22 si je me rappelle bien. Donc j'ai essayé d'être vraiment prudent, j'ai peur de l'IMS, mais je suis vraiment prudent. Là je dois faire mon 23ème kill. Et je me dis, ouais, la noix elle est pratiquement assurée. Et j'essaie de faire quand même assez attention au spawn forward, parce que je vois pas d'ennemis au-dessus de moi, d'alliés au-dessus de moi. Donc ça peut spawn un peu n'importe où. Là je vois tous les points rouges au bout de la main, je me suis dit, ouais, je vais les attendre gentiment. Et là Fiorenzo il me dit, enfin Ethno 44 il me dit, ouais, j'ai mes vestes. Donc je vais les chercher tranquillement, je vais pas prendre de risques inutiles. Je prends les petites vestes et là je vais rusher. Et je vais rusher tranquillement, donc comme je veux qu'ils sont au bout de la map, je vais aller les chercher. Ils se sont tous fait tuer, donc ils ont spawn sorcier.
Et là, j'avance tout doucement en viseur fixe parce que j'ai pas envie de me faire tuer par un spawn ou une connerie dans le genre. Ou encore par un RPG, ça m'est déjà arrivé en série de 23 sources de me faire tuer par un RPG, donc vraiment rageant. Donc là, je décide de rentrer. Logique, j'attends sur le spawn, je passe à gauche. Et là, le petit campeur au snipe. Et la Moab. La Moab, 24-0, une assistance, la Moab, tranquille. Là, j'enchaîne direct par une petite triple élimination. Bien sympa. Triple. Plus le petit dernier là-haut, hop. Là, j'ai chaud, le mec était derrière moi, j'ai vraiment chaud. Je tiens un peu pour tout, c'est la précision, c'est pas trop mon truc. Donc là, j'étais vraiment bonne série, hein. Je devais être en série de 30, enfin, bonne partie, franchement, c'était une bonne partie. La série de 30, c'est toujours plaisir. Et puis là, je fonce un peu dans le tas, j'en ai rien à faire. Je fais du 29-1. 29-1 assistance, 0 mort. La petite map mort. Ça, c'est vraiment relou sur ce jeu. Et on s'est encore un peu moins de 4 minutes pour envoyer la Moab. Donc, du coup, je prends mon temps pour l'envoyer. Bon, il restait. On avait 47 plaques. Je sais plus à combien je l'envoie, mais. Dans la cinquantaine de plaques, je l'envoie, je crois. Bon, pour le moment, ça me fait plaisir. Je me suis dit, je vais faire bien gaffe. Une petite mission parfaite. Une petite mission parfaite. Ça fait toujours plaisir de faire un score parfait. Franchement, c'est ce que je préfère. J'étais à 34-0. Là, ma deuxième assistance. Donc, deux assistances d'une partie, c'est rare. Ça m'arrive, j'ai en fait vraiment, vraiment pas mal. Là, le petit campeur, moi, j'étais niveau 30, donc pas trop bien vouloir. Ça se trouve, c'est son premier call-off. Allez, 35-0, j'envoie la Moab. L'ennemi, je sais pas ce qu'il fait, il envoie sa flash, il me tue pas. Donc, bien sympa. Et là, la Moab. Le petit 3-6 du PGM, bien entendu. Toujours. Il a quadruple élimination à la Moab. Eh oui, quadruple élimination énorme. C'était énorme. J'étais super content de la faire, franchement, sur cette map. En plus, comme je l'ai déjà dit, cette map là, c'est pas trop ma map. Enfin, moi, je me suis vraiment éclaté. Là, il y a ma troisième assistance, pardon. Trois assistances, c'est vraiment, vraiment peu. Donc, j'étais vraiment, franchement, une partie. Je crois que c'est l'une des parties que j'ai le plus apprécié à faire. Il y en a d'autres, bien sûr, mais bon, celle-ci, c'était vraiment celle où j'ai bien ri, celle où je me suis baladé, tout simplement. Vraiment sympa, mais enfin, je me répète, mais bon, j'ai vraiment adoré cette partie. Là, le type en haut, je l'ai marqué, je me suis dit, je vais peut-être faire une quatrième assistance, et personne ne le tue, personne ne le voyait, pourtant il y avait quelqu'un en bas, il l'a pas vu. Du coup, je me décide à le tuer. C'était qui? C'était Ethno. Ouais, j'aimais bien les marquer. Donc, score final, 44-0. 44-0 avec trois petites assistances, avec une barre, deux barres de co, mais bon, ça se voyait pas trop, c'était pas trop gênant. Donc, franchement, une partie excellente pour moi, j'ai vraiment adoré la partie. En plus, c'est Zabor qui fait la killcam, donc bien joué à toi. Et c'était une mob que j'avais dédicacée à Ethno44, parce qu'il vient du 44. Enfin bref, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder ce deuxième épisode de Mission Parfaite, autant que moi j'ai pris plaisir à vous la réaliser. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et aussi, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Twitter. Et sur ce, à très bientôt, et portez-vous bien. Ciao.